Voilà, donc nous sommes rentrés dans le parc. Alors, donc, il y a plein d'animations, des tables colorées un petit peu partout. Et le tout premier stand est sous toile, c'est bien pratique quand il pleut. Voilà. Alors, Chippy compte les points et court. Il faut appuyer sur les bornes qui s'illuminent, courir, courir, et on compte les points. Voilà. Donc, elle va se défouler, s'amuser, rigoler. On a plein de belles choses. On a des tables de jeu en bois. Alors maintenant, on arrive au fort Aventure. Donc, on est vraiment au milieu des pins. Hein. Donc, c'est vrai que quand il fait super chaud, c'est très agréable. Allez, c'est parti. Donc, on a un parcours, un défi de challenge. Donc, toujours sur les pancartes, regardez bien l'âge. Donc là, c'est jusqu'à 5 ans. Je sais plus, il y a 5 ans et demi. Donc, on va quand même le faire. Il y a le sentier des oursons. Oui, une tyrolienne, youhou! Voilà, donc c'est vraiment adapté pour tous les enfants. Les enfants s'amusent, ils sont en pleine nature, donc c'est génial. La tyrolienne! La tyrolienne! Ça, c'est son grand truc à Chippy, la tyrolienne! On va te voir faire la tyrolienne. Tu poses bien mes fesses là-dessus. Ouais! Et tu files. Et tu files, voilà, c'est adapté jusqu'au moins de 5 ans. Donc c'est une toute petite tyrolienne, mais assez sympathique. Donc là, on est au chemin des trappeurs. Et là, on est à partir de 6 ans. Bon, je suis pure à 6 ans dans un mois et demi, donc c'est bon. Allez, tu peux descendre. Donc là, c'est un peu plus... hop. Hop, c'est des parcours, voilà, tout en bois, des petites structures. Voilà, il y a un jeu de filet. Voilà, je te laisse évoluer, moi je reste de ce côté-là. Là-bas, on voit un petit filet où il faut passer par le filet. Juste là, dedans. Voilà. Donc on est toujours sous les pins, c'est très très agréable. Et après, il y a les petits escaliers en bois juste là. Donc là, on a dans l'espace des bouts de choux. Donc vraiment les petits petits bouts de choux. Voilà, bon, il y a quand même un château gonflable, donc Chippy peut quand même aller s'amuser. Il y a des chaises pour les parents. Voilà, on a des petites chaises pour les parents qui puissent surveiller leurs enfants. Toujours les petites tables de pique-nique. Voilà, et on a ce château gonflable que Chippy avait fait l'année dernière, qui était un autre espace. Donc toujours les tables de pique-nique. Et on a les petites balançoires aussi. Voilà, une petite tyrolienne balançoire, comme tout à l'heure. Je vais te monter. Et puis, on a les petites balançoires baby, une balançoire normale et puis une petite balançoire baby. Donc, ça, c'est cool. Donc, on va faire ça. Puis là-bas, il y a deux petits trotteurs. Donc, c'est assez sympa. C'est un petit espace clos et fermé pour les petits bouts de choux. Voilà, elle s'équipe. On va tester une des nouveautés du parc aux Folies. Donc, il faut bien enlever les chaussures. Elle s'équipe donc... un petit gilet. Allez, c'est parti! Il faut courir, faut courir. Voilà, c'est un petit... enfin, pas un petit, un élastique. Il faut courir, 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 courir jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Allez, on court, on court, on court, on court, on court, et après on se laisse. Et après, bon, voilà, ça fait ça. Et après, c'est la cascade et les rigolades assurées. On en refait un? Un, deux, trois. Bon, elle ne s'est pas étirée comme il fallait. Tire à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Yeah. Voilà. Bon, c'est parti pour de bons fous rires. Hein. Voilà, donc. C'est bon. Et elle a choisi une autre option. On a soit les escaliers ou on a soit la corde. Allez, elle nous fait un petit peu d'exercice. Et elle va redescendre par le même endroit. C'est agréable, franchement. Ah ouais.
dans l'atelier cirque. Voilà. Donc il y a des petits vélos comme ceci. On a des jeux d'arceaux pour Didine, pour faire travailler l'équilibre. Voilà. Super. Donc là, on est vraiment dans l'atelier cirque. Voilà, des petits jeux un petit peu comme du limbo, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a par là? On découvre, hein, parce que c'est vrai que c'est un nouvel atelier, un nouvel endroit. Donc là, à partir de 6 ans, on peut faire le motocycle. Voilà, comme je vous ai montré, il faut bien prendre les casques. Et voilà. Et puis, on est dans le parcours Acrobranche du parc de Parcofolies à la Baule. Voilà, elle fait son petit parcours avec son papa. Voilà, il y en a pour les grands, les petits. On est bien sous les arbres. Comme ça, quand il fait chaud, on est au frais. Hop, il y a plein de belles choses. Allez, on s'accroche. Et on avance sur le filet. Voilà, il y a plein de choses. Alors, c'est pas de l'acrobranche en l'air, hein. On est sur un parcours plutôt, enfin, en bois. Donc, il y a plein de petites choses à faire. Il fait toujours aussi beau. C'est vraiment une journée idéale. Voilà, donc il y a des petits filets. Hop. Là, y est, on peut s'accrocher, etc. Des panneaux. Des pans qui bougent. Et Chippy qui avance, qui avance, qui avance. Son papa la rattrape. Youhou! Mais c'est qu'elle avance vite, hein? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir les voir à la Baule. Voilà, si vous êtes en vacances cet été, ils sont ouverts jusqu'au début de l'automne. Voilà, une jolie balançoire. Voilà, le côté acrobranche. Il y a plein de structures gonflables. Là, je vous montre qu'une seule partie du parc. Il y a au loin, on retrouve les trampolines. Tout au bout là-bas, il y a l'espace enfant. Et on retrouve aussi à l'entrée le snack. Et là-bas, on va retrouver les petites fléchettes, etc. Donc voilà, quand il fait beau comme ça, on y passe une journée entière et on s'amuse en famille. Je vous embrasse.